This is Rancho. Depuis Belvarde, en 1992, elle dort dans un placard. Rancho, il est grand temps de rallumer la flamme. Ah, Mary Bell. Salut Rancho. Bonjour. On peut déjà commencer les petits fours. Merci. De mardi à mercredi, hein, qui va être couverte. Les skis, 87, 88. Faut ça s'aiguise comment? Dossard 43, Rancho. Présent. Moi j'ai des skis de Super G moi. Super G? Ah mais ils sont faits tes skis. Bah, ils sortent d'usine quoi. Emballé, beau propre. Ah bon? Ouais. Ils ont jamais tourné. J'ai des affûtes un peu, spatule talon, non? Quand j'ai pas trop l'habitude là. J'affûte un peu, ouais. J'ai des affûtes, hein. Si tu veux, les skis freeride et tout, tu tournes à la bascule. Ouais, ouais. Un petit coup de cul, ça chasse. Là, un petit coup de cul, ça prend l'écart, ça va tout droit et... Bon, je me chie un peu dessus quand même. Non, pas. Je te crois pas dans le second. Je te jure. Tu vois, le but c'est d'ouvrir un petit peu en entrée et là de revenir à terre et bien lécher les deux mamelons, tu vois, les deux qui sont là et voilà, vraiment pas être timide surtout, hein. Il faut quand même bien rentrer dedans. Ok, merci Adrien. Ouais, ouais, on va débouler vite, la neige est rapide, ça se coupe, on va avoir du mal à tenir la trajectoire, donc il va falloir prendre un petit peu de marche à l'entrée, être très actif, sinon c'est mort. Quand tu rates la porte, tu vas te faire descendre les chaussettes en bas des manéoles et ça va être mort. Actif et réactif surtout. Ok, merci. Donc là, Rancho, relativement simple. On va vite sur le changement de pied en là. On prend bien le ski, on vient bien de mettre à l'équilibre. Une boucle très longue et ensuite, on arrive sur la courbe du blaireau. Là, faut être vigilant et faut bien rentrer dedans. Là-bas au fond? Là-bas, juste devant nous. Courbe du blaireau, vigilant. Tout à fait. Okay. Bien à l'équilibre et on enchaîne là. Ok, merci Steph. La descente, tu peux pas l'aborder... relâcher, il faut la pression. N'importe quelle piste, tu te dois d'être respectueux de la piste, du tracé, et le problème c'est la vitesse. Tu arrives, tu as la fleur au fusil, et tu t'en mets une. Yeah.
dis-moi, Gus, pour demain, je voulais savoir si... Tu disais ? Non, oh, laisse tomber, c'est pas très important. Ouais, c'est bon, les gars. Hop, on reste sérieux 2 minutes, là. Demain, on veut des mecs engagés, des mecs qui vont se rentrer dedans. C'est la dernière de la saison. Il faut aller chercher un gros résultat. Il faut être devant. Il y a des jeunes qui attendent. Steph, à propos du virage du blaireau. Non, Valou, c'est bon. On a dit qu'on n'en parlait plus. Le virage du blaireau, c'est réglé. On a vu sur l'entraînement aujourd'hui. Mais il leur parle vraiment comme à des bœufs. Oh, les gars, m'écoutez, là. Ça rentre dans vos petites têtes. T'inquiète pas, mon Rancho. La descente, c'est vraiment pas compliqué. Tu te faufiles comme une petite truite dans les rapides. Oh, mais ta gueule! Oh, putain, mais c'est quoi ce truc? This is Rancho. Gauche bien profilé, le passage des mamelons ou en jambes, bien épouser les formes, ouais, en dessous, c'est ça. Nous sommes de retour sur Eurosport pour vivre à la suite de cette descente des championnats de France, ici à Méribel. En tête, Johan Claret. Mais attention, c'est pas fini, c'est pas joué. On voit Rancho en pleine préparation de Sar 43. Et oui, Alexandre, 21 ans qu'on attendait le retour de Rancho sur les pistes de ski alpin. Et attention, c'est pas un peintre, hein, le garçon. Il a quand même 2 top 15 en Coupe d'Europe, c'était en 94. Et ça fait vraiment très très plaisir. On peut le voir se préparer d'ailleurs avec son technos, là, dans le paddock de départ. D'ailleurs, on l'a vu dans le Jura, au départ de la Transju. Pousser sur ses petits bras, sur ses grands plats, il a fait l'amour à Léos. Allez, attention, dans 10 secondes, le départ. Rancho en position. Allez, c'est parti pour presque 2 minutes de descente. Ouais, enfin, peut-être un peu plus. C'est parti pour le skieur des arcs, Rancho qui vient de s'élancer. Et on va être tout de suite dans le vif du sujet, Julien, avec la bosse de l'anglais. Oui, allez, active sur cette bosse. Ah, c'est assez bien fait. Allez, laisse glisser. Allez, tiens dans la... Oh, tiens. Reste devant. C'est bien. Rancho, oublie pas, comme la truite, faufile-toi dans les rapides. Essayez de prendre un maximum de vitesse pour toute cette première portion qui est plate, qui est facile. Allez, là maintenant c'est les cannes sous les bras, Julia, on sait que les plats c'est quand même pas trop son fort, hein, Rancho. Ouais, on va voir surtout si son option tactique des skis de Super G non partés va payer. Donc, on va s'approcher maintenant du passage des mamelons, c'est la partie la plus technique, voire la plus sensuelle. Oui, il faut épouser les formes, vraiment, faut caresser ces petits mamelons. Qu'est-ce qu'il me disait déjà, Adri? Bien léché là, bien, ouais. Rancho, reste focus là. Allez, rentre, charge. Charge le pied. Il a du mal à venir chercher son pied extérieur là quand même, hein. Moi je le trouve pas au niveau des lignes, regarde. Fais attention ce grand pied droit là. Faut pas se faire descendre les chaussettes là. Et il s'est fait descendre les chaussettes là, il a plus rien dans les cannes. Ouais, il commence à fatiguer un petit peu Rancho, mais je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Allez, tout de suite là maintenant, c'est important, c'est le virage du blaireau. Allez, le virage du blaireau là. Vigilant. C'était limite. Il a préservé l'essentiel et il est toujours dans la course. Allez, le deuxième intermédiaire pour Rancho, le skieur des arcs. Allez, ça fait 7 secondes 13 de retard. C'est mort, c'est cuit là, Julien. Mais non, il peut se refaire dans le dernier mur. C'est là qu'il va se reprendre, Rancho. Allez, attention, l'entrée dans le stade d'arrivée maintenant. Allez, Rancho, Rancho. Agressif, t'as un déglingo.
Ah, il est cuit dur, Rancho, là. Il est cuit dur, il a plus de cuisse, seulement 54,4 de tour cuisson. Ah, c'est sûr, par rapport à Dio Claret qui tape dans les 65, c'est pas grand-chose, hein. Faire la Rancho, regardez comme c'est découpé cette dernière double porte. Allez, attention, faut remettre tout de suite de l'intensité. Oh, d'un coup, oh, oh, c'était limite. Eh, il est toujours sur l'esquive, va passer la ligne, son temps. 2 minutes, 13 secondes et un dixième. On peut le voir, hein. Rancho, il est exténué, cuit dur. Et c'est loin la Coupe d'Europe, hein. Mais il n'a rien à regretter, il a tout donné. Il lui manquait 2-3 petits points tactiques, mais quand on n'a pas couru depuis 21 ans, c'est peut-être un petit peu logique. Bien fait. Merci. Bravo. Fallait le faire. Bravo. Merci. Mais Rancho, tu fais quoi? Rien. Tu mesures les cuisses, quoi.